vous êtes en bas, là, pensez à vous-même, et c'est souvent pour chercher un petit peu les émotions un peu intimes, des choses comme ça, ou un peu des choses un peu tristes, pour chercher vers les viscères, tout ça, vers le centre, c'est là, je suis là présent. Donc hop, on est vers le présent, droit devant. On m'a demandé comment démarrer l'écriture d'un scénario. Par quoi est-ce que vous commencez l'écriture d'un scénario? L'inspiration. Non. Bon, soyons clairs. L'idée, l'inspiration, Dieu, etc. Oui, si vous voulez. Mais par quoi vous commencez? Un personnage ou une situation? C'est quoi la différence? Comment on démarre l'écriture d'un film? Toi, par exemple, La Plaine, 3h12, t'as commencé par la situation ou par les personnages? Par un truc que je me sentais proche, duquel je me sentais proche et qui me parlait, qui me semblait être cool dans un film, ou plutôt une idée globale du truc. Ce qui s'appelle une situation. Une situation, ouais. Il me semble. Annonce. Séquence 1, scène 1, prise 3. Action. Séquence 1, plan 4, prise 2. Action. Marcus. C'est coupé, merci. Cher Mégane. Ok, c'est bon pour moi pour le point. Oh, rattrapez-la là-bas, là-bas, piquez mon téléphone, la meuf en vélo là-bas. Ah merde. Non mais en fait, vous allez pas me croire, il s'est passé un truc de ouf. Alors, ça t'amuse? Faire chez les honnêtes gens en vélo. Tu vois, ça fume de la beuh, ça s'étonne quand je viens lui faire lécher le béton. Omid et Michel, on est parti de quoi? Des personnages. Bah, des chafiques, hein, ça, c'est... bien d'accord. Donc on est parti d'un personnage. You speak English? Papa. Ok. Par exemple, le passant, effectivement, c'est d'un personnage, plutôt. Oui. Et puis, tu l'as mis dans un contexte. Exactement. Effectivement. Il est saisi par les percussions et fait union avec. Ok. Voilà, ça c'est mon point de départ. Ok. Après, comment? Dans quelle progression? C'est par rapport à l'effet de surprise que tu vas avoir à l'écoute des personnes. Monsieur Le Son, vous êtes prêt? Pas encore, mais ça va pas tard. Je prépare comme il faut. Au défi. Ce défi. Une installation bien savante, regardez. On dirait pas comme ça. Le cinéma, on a l'impression que c'est une chose magique, simple, spontanée, mais pas du tout. C'est beaucoup de préparation. Et savoir s'adapter à toutes les situations. Il faut s'adapter à toutes les situations, exactement. Il y a toujours des surprises.
Vas-y, fais-le. Maintenant, je peux le faire. Vas-y. Séquence 1, prise 2. Séquence. Ah ouais, tu fais comme ça, toi. À la rock and roll. Ouais, comme ça. C'est ça. À la vôtre. Lucette. Tiens, Raymond, casse-toi. Lucette. Action. Monsieur, je l'aimerais filmer, j'ai oublié. Mais non. Je n'ai pas comme. Rien. Qu'est-ce que tu fumes? Merci beaucoup, monsieur. T'es prêt? Je suis prêt. I'm ready. Bon, vous savez ce que vous devez faire au moins, les gars? Ben, nous, on doit marcher au monde, alors c'est pas très compliqué. C'est pas les acteurs. Vous êtes. Ouais, mais vous êtes à quel degré de votre relation? Ah, nous, ça va très très bien. Extraordinaire, hein? Ah, ben voilà l'autre acteur. Nous avons. Le quartier dur. Oh là là! Ça commence! Et pourquoi pas tout nu? Ben, ça aurait pu bien. Ah, tout nu, ça. Oh, truc à plume d'oiseau et d'animaux. Oh, c'était beau! Bon. Boubi! C'est la fin, Roman? J'en peux plus. Je crois que personne. Ouais, moi aussi, je suis on peut plus. Plus. Mais non! Là, on le voit. On le voit grave. Oh, l'équipe, vous êtes beau avec cette lumière, hein? The dream team, we said. And the stars get born just right here. You're the stars. Accordez tout la mer. Ça va, Laura? Ça va. Tu fais quoi là-dedans? Je suis le script. Tu as tout écrit. Je note si les prises sont bonnes ou pas. Ouais. T'as déjà fait ça? T'as déjà fait ça? Non, c'est la première fois. Et aussi, je fais le clap. Mais tu t'engueules avec tout le monde, toi? Oh bah, faut pas me chauffer, c'est tout. Je suis réactive. S'il te plaît, Sabrina... Sabrina, je blague, je dis n'importe quoi. Sabrina, sans te commander, pourrais-tu... Merci. Ne me commande pas, s'il te plaît. Non, j'ai dit sans te commander. Ne me commande pas. C'est pour la télévision française. Bande de fous. Je ne suis pas un artiste. Je suis trop intelligent pour être un artiste. Je devrais être un peu plus con. Pour pouvoir laisser une place à l'abstraction. 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 Jean-Gis, elle clap. Que c'est beau, regarde un peu. Ça c'est un ciel marseillais, ça. Hein? Regarde dedans. Un ciel marseillais? Oui. Oui, les deux circonstances. Tu parles pour la caméra, Jean-Marie? Oui, oui, je sais que je suis filmé. Je suis filmé, là. Donc, il y a le making-of. Mais oui, il y a le making-of, donc j'en rajoute un peu. Jean-Marie. Non, je ne suis pas une star. Je ne suis pas une star. Oh my God. There is a camera.